comme je vous ai dit, en arrivant à la maison, je vous ferai une petite revue de l'intérieur de mon véhicule après que j'aille fait de la route. Que ça fasse une demi-heure ou 5-6 heures comme ça m'a pris pour venir à la maison. C'est tout le temps le même principe. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je défais mon lit, puis je replace mes couvertes, je replace mes oreillers, puis après ça, je pile tout ce qui était à ma droite, en arrière de moi, dans le fond, j'étale pour que ça soit quand même ergonomique, puis je sois capable de me servir de mon appareil photo, de mon sac de rando, je replace mes bottes, mes trucs de même, pour que dans la journée, ce soit facilement accessible, fait que je vous montre ça. Fait que là, je vous montre, dans le fond, ce que c'est quand que je roule. C'est sûr que c'est le bordel, mais je voulais vous montrer ce que c'est en réalité quand que je roule sur la route. Fait que je prends tout ça, je l'envoie tout au fond là, je le pile tout le long, tout le stock que sur mon lit pour être capable de me faire une place pour coucher dans le fond. Puis, dans le fond, comme on peut voir sur le côté, je me suis aménagé. Dans le fond, ça arrive comme ça, mais j'ai de la place pour pouvoir disposer mes chaussures quand que je pars du sol, puis là, je monte dans mon lit. Fait que je mets pas de la terre partout. Ça fait que je peux, c'est comme une petite tablette, je peux mettre mes pieds, enlever mes chaussures, puis les glisser sur le côté. Où il y a même de la place, là, j'ai de la place en dessous pour plein de trucs. Fait qu'en arrière, c'est comme d'habitude, c'est le Tetris à tous les jours, à toutes les chaque fois que je me couche, il faut que je prenne le stock qu'il y a là puis que je l'emmène là. En dessous, j'ai mon panneau solaire pour charger ma batterie pendant que je fais du montage puis qu'il fait soleil. La guitare qui est facilement disposée, que je peux facilement disposer sur le panneau solaire puis qui ne met aucune charge parce que quand même c'est un grand morceau qui n'est pas trop pesant. Puis ça me permet en même temps de disposer mon sac de rando facilement. Je peux l'emmener en randonnée. Je n'ai pas à tout dépiler, il est là. Mon appareil photo qui est toujours sur le bord prêt à faire feu. Mon sac de photo que je dispose, mes objectifs, mes batteries, mes chargeurs, puis tout ce que j'ai de besoin, puis un peu de trucs pour la GoPro aussi là-dedans. Fait que toujours aussi sur le bord, ben la crème solaire. Dans ma porte l'autre bord, j'ai oublié de vous le montrer, mais c'est le stuff à mouche. En Gaspésie, il y a de la mouche, puis il faut en mettre du stuff à mouche. Parce que sinon, on se fait grignoter. Ça ici, c'est un bac qui est dans le fond, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un peu n'importe quoi. J'ai une petite pharmacie personnelle dans le fond, des hauts brosses à dents, mon savon qui est là aussi pour prendre ma douche, des sacs, puis des petites cordelettes. Au-dessus, c'est plus de la vaisselle. Je vais avoir les chaudrons, j'ai un bol, j'ai une assiette, j'ai des ustensiles, couteaux, puis différents trucs reliés à la cuisine. Le petit gaz à réchaud. Puis là, ben, par-dessus ça, j'ai mis tout mon linge pour être capable de m'habiller rapidement parce que sur le bord du fleuve, la température est bien changeante. Tu roules en auto, tu fais une demi-heure. Tu passes de 25 degrés à 15 degrés. Ça fait que j'ai tout le temps quelque chose de long parce que quand je fais de la route, je suis habillé, en short, en court, avec les barades dénudées, tout. Ça fait que là, j'ai quelque chose pour me couvrir le corps. Pantalon long. Le petit coton qu'on zippe rapidement. Un peu de linge à travers ça qui n'a pas rapport. Des bacs, quand tu es aménagé dans un espace restreint, les bacs c'est facile parce que tu peux gérer ton espace facilement, tu peux l'aménager à ton goût au gré du voyage. Ça fait que j'ai choisi d'emmener deux bacs à bouffe. J'en ai un ici, puis j'en ai un autre là, qu'on va voir un petit peu plus loin, là, complètement en arrière de la glacière / frigidaire électrique. Je me suis fait une épicerie de 2 semaines, j'étais allé au feeling, puis j'avais traîné des bacs en masse au cas justement que j'aurais des trucs de même qui arriveraient. Là. Fait que j'ai bien fait parce que lui, il loadait bien dur, puis l'autre aussi. Mais celui-là qui est ici, ça se trouve être mon linge. Fait que j'en ai trop de linge, mais le bac est là. Ça fait que je l'ai rempli de linge. Fait que c'était du au cas, quand on aurait besoin.
la petite table qui me sert à porter mon réchaud. Quand le soir je fais de la du montage, ben je pose mon ordinateur, ma souris, toutes mes gogos, c'est une belle grandeur. Ça ici, c'est ma toile pour faire. Comme je vais vous montrer tout à l'heure, je me suis fait une petite toilette compostable. Donc, ça me permet de me faire une petite salle de bain improvisée. Puis je garde un minimum d'intimité. J'ai traîné aussi une coupelle de cartable pour jouer de la musique. C'est des fois, c'est plus tranquille, je sais pas trop quoi faire. Ça fait que je sors la guitare puis on joue de la musique. Fait que sur ce bord-là, j'ai... On voit clairement que c'est un bac à eau. À côté, mon 5 gallons blanc, ça se trouvait de la rip pour remplir, pour utiliser ma toilette compostable qui est juste là. Avec le papier de toilette, lui aussi, il est prêt à utilisation immédiate. Ma petite Kelsa à batterie qui m'a sauvé la vie en randonnée, en road trip dans la réserve faunique de Matane. Pas voir ça, là, j'aurais été vraiment mal à mancher. J'aurais été pris pour rebrousser chemin. Ça m'a permis de continuer ma route. De l'huile, parce que je savais que je ferais bien du millage, puis j'en aurais peut-être de besoin, mais finalement, j'ai pas fait mon check-up. C'est ça qui arrive. Toujours un petit peu de lavite. Ça, c'est bien plate quand tu roules, puis que tu vois plus clair. On prend pas de chance. Le petit vin qui est sur le bord, toujours, quand on arrive, on se désaltère... On se met dans l'ambiance des vacances avec un petit verre de vin. Mon petit sac à poubelle qui est tout le temps proche de moi quand que je roule, je dispose mes verres à café, petite canette de liqueur, là, un sac de chips, fait que pour garder le véhicule propre. Mon petit réchaud qui est juste là. Puis là, l'autre bord, ça c'est mon frigidaire, je vous montre ça. C'est en avant. En avant, c'est quand même assez simple. J'ai voulu garder ça facile parce que dans le fond, je voulais que le frigidaire soit facile à remplir quand je m'en vais à l'épicerie. Pouf! Puis aussi ici, c'est ma serviette qui sèche. Puis en même temps, ça me sert d'espace pour pouvoir mettre... Là, ma caméra est en arrière, mais souvent, quand que je roule aussi, je vais la mettre sur le bord. Avec ma GoPro, des batteries, un chargeur que je mets là avec les fils pour le téléphone, pour les batteries. Parce que toutes mes batteries, je me suis organisé pour avoir des chargeurs qui se chargent par... que je suis capable de prendre un fil puis que je mets sur USB. Mon autre bac qui est rempli, c'est un petit peu plus sucré, un petit salé extra salé, ça fait que ça c'est le genre de truc que j'emmène en randonnée pour garder mes électrolytes, mes petits pains à dog. J'ai une extension justement quand je plug mon ondulateur, je suis capable de partir du compartiment moteur jusqu'en arrière. Ça fait que tu sais, souvent je fais mon petit setup tranquille en arrière. J'ai comme un genre de pare-soleil par le panneau arrière. Puis là, j'accote ma chaise à terre. Puis là, je regarde le paysage qui serait genre quelque part par là. Le fleuve ou des arbres, comme ici, là. Je m'installerais bien ici, là, pour faire du montage. Ça fait que c'est la petite revue à chaud de mon véhicule après autant de routes. Je vais vous en faire un autre en aménageant ça un petit peu plus proprement, puis vous montrer aussi comment je dispose mes trucs quand que je me couche la nuit, soit en camping ou en boondocking. Fait que ça, c'est une vidéo qui est à venir. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle journée. Puis moi, il va falloir que je dépacte tranquillement, pas vite. Hein? Veux pas. Fait que retour à la réalité. Fait que en vous souhaitant une très belle journée.